Salut à toutes et à tous, alors pour coller à la chronique de la semaine, je vous propose aujourd'hui un top 10 consacré à des RPG. Alors pour éviter le top 10 banal qui consisterait à citer les meilleurs RPG de tous les temps, Final Fantasy finissant probablement en tête, et donc un top 10 sans vraiment de surprise, on va faire un petit tour vers des RPG beaucoup moins connus, qui si vous êtes fan des RPG vous donnera quelques idées de nouveaux jeux à essayer. Alors dans un souci de compréhension linguistique, j'ai choisi que des RPG traduits en anglais, c'est quand même beaucoup mieux pour suivre une histoire si on ne parle pas le japonais, c'est parti. Numéro 10. On commence cette vidéo avec sans doute le RPG le plus connu de cette liste, et encore c'est pas sûr, Xenosaga épisode 2 Gensiphon Gut und Boss, développé par Monolith Soft et sorti en France en 2005 sur PlayStation 2. Reprenant le casting de l'épisode précédent se focalisant sur les personnages Shion, Cosmos et ses amis, le jeu propose un système de combat assez original et amusant au tour par tour dans un univers futuriste sur fond d'une humanité virtuelle. On reste un petit peu sur notre fin en ce qui concerne le scénario qui pose plus de questions qu'il n'y répond par rapport au premier opus, et petit défaut du jeu, c'est sa durée de vie assez courte. Numéro 9. Kingdoms of Amalur: Reckoning est un jeu qui souffrira de la sortie 2 mois avant de The Elder Scrolls V Skyrim, puisque les deux jeux ont beaucoup de similitudes. Plutôt typé action RPG, donc très occidental, le jeu offre une multitude de quêtes secondaires qui feraient presque oublier la quête principale. On choisit parmi 4 classes avec beaucoup d'éléments de personnalisation, et on part explorer notre environnement à travers des combats très dynamiques, mais malheureusement trop faciles pour les habitués du genre, il n'en reste pas moins défoulant. Numéro 8. Alors là, on change complètement d'univers avec un sous-genre du RPG que je n'ai pas mentionné dans ma chronique, ce sont les RPG musicaux, et oui, ça existe. Ainsi, je vous présente Rhapsody Musical Adventure, un titre charmant sorti en version traduite sur PlayStation en 2000 et plus récemment sur Nintendo DS. On y incarne Cornette qui cherche son prince charmant accompagné de son ami Kururu. L'originalité, c'est que c'est la fille qui va sauver le prince charmant. Alors certes, le jeu est un peu cucu, mais c'est assez drôle, très coloré, avec une excellente bande-son malgré un gameplay jugé trop facile. Numéro 7. Azure Dream est un RPG de Konami sorti en 1998 sur PlayStation. On joue un jeune homme qui se lance à l'assaut d'un donjon, la Monster Tower, rempli de monstres dans lequel son père a disparu il y a quelques années, et on monte les étages un à un dans une difficulté progressive. Avec l'argent collecté, le héros peut upgrader sa propre maison pour en faire un manoir et la décorer, et même construire de nouveaux bâtiments dans le village. Originalité du titre, à chaque fois que le héros entre dans la tour, il retourne au niveau 1 et les étages de la tour, les trésors et les monstres sont générés aléatoirement, donnant une expérience nouvelle à chaque assaut. Numéro 6. Sorti sur Xbox 360 en 2007 et l'année suivante sur PlayStation 3, Eternal Sonata nous plonge dans un monde imaginaire rêvé par le célèbre pianiste Frédéric Chopin quelques heures avant sa mort. RPG plutôt classique, le joueur peut diriger une équipe qui peut atteindre 12 personnages afin d'explorer le monde, parler aux habitants, acheter et vendre des objets et surtout affronter des monstres dans des combats au tour par tour en utilisant seulement 3 personnages, un peu tactique, captivant mais parfois répétitif. La musique de Chopin est très présente dans ce monde fantastique et hallucinatoire, influencé par la vie et la musique du pianiste. Numéro 5. Magna Carta 2 est un jeu sud-coréen sorti en exclu sur la Xbox 360 en 2009 en utilisant l'Unreal Engine 3 en vue à la troisième personne. Proposant un système de combat très amusant et original, en mélangeant tour par tour et combat en temps réel, on retrouve par contre un scénario super classique, le jeune homme amnésique devant sauver le monde, mais par contre il sera entouré de quelques babes très charmantes, dans un jeu pas évident à prendre en main mais une fois maîtrisé devient vite addictif. Numéro 4. On retourne dans les années 90 sur PlayStation avec Thousand Arms, édité par Atlus, qui propose lui un mélange entre jeu de rôle et simulation de drague, dans un univers steampunk à base de cyborgs et de robots, avec des combats au tour par tour pas forcément passionnants, dont l'intérêt du jeu est plus de draguer les filles qui ont chacune une personnalité unique et qui nous aideront à upgrader nos armes. On peut leur faire des cadeaux, jouer avec elles, ou avoir un rencard avec elles carrément, à travers plusieurs mini-jeux. Les dialogues sont amusants et l'histoire globale est pleine d'humour pour ce jeu très original. Numéro 3.
The World Ends With You. Alors déjà, rien que le nom, ça claque, la fin du monde avec toi. Il s'agit du tout premier jeu développé par Square Enix sur la Nintendo DS qui sort en 2008 en Europe. Une version mobile iOS et Android a récemment été commercialisée. Divisé en 3 actes de 7 chapitres, notre héros Neku doit réaliser des missions dans les quartiers de Shibuya. Il s'agit plus d'un action RPG qu'un RPG classique, mais il propose par contre un très bon système de combat, scénario et univers par rapport à d'autres RPG plus classiques, et surtout utilise très bien les fonctionnalités qu'offre la Nintendo DS. On peut ainsi jouer un personnage sur l'écran du haut et un autre sur celui du bas. Vraiment, on ne s'ennuie pas dans ce jeu. Numéro 2. Lunar's Silver Star est d'abord sorti sur la Mega CD en 1992, mais la version PlayStation de 1996 est plus conseillable, car grandement améliorée, Lunar's Silver Star Story Complete. Ce RPG se déroulant en vue dessus est d'une excellente qualité, tant par son scénario captivant, ses sprites en 2D magnifiques que ses cinématiques bien animées, ou son très bon gameplay, un jeu à conseiller fortement pour les fans de RPG. Numéro 1. Et on finit cette vidéo avec Resonance of Fate, sorti en 2010 sur PS3 et Xbox 360. Alors je l'ai mis en premier dans ce classement à cause de son système de combat très original et ultra complet, le Tri-Attack Battle, un mélange entre temps réel et tour par tour qui demande donc pas mal de stratégie. Le temps des combats est limité, on peut déplacer son personnage, le faire changer d'arme, avec des attaques régies par un système de charge, c'est-à-dire une jauge qui se remplit progressivement en fonction de sa position. Peu d'armes dans le jeu, mais très personnalisable par des upgrades ou des objets se rajoutant dessus. Alors ça semble bourrin avec les armes à feu, mais ça ne l'est pas forcément. Des mécaniques de jeu donc innovantes et très bien conçues pour ce Resonance of Fate, qui recevra d'excellents retours critiques. Et c'est ainsi que s'achève ce top 10 sur 10 RPG un peu moins connus. Alors si vous êtes fan du genre, il se peut que vous les connaissiez déjà. Je voulais surtout éviter de ressasser les mêmes jeux de rôle que l'on retrouve souvent dans les top 10. J'espère que cela vous aura plu et vous aura permis de découvrir de nouveaux jeux. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci du soutien. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. A bientôt, ciao !